ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Ensemble, nous allons vivre une très, Guillaume Batz, bonjour. Je me présente. Moi, c'est Annemar. Hein, dans le jargon des calendriers, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de jour férié, hein, de l'amour. Non. Vrai que si je devais me définir, eh bien je dirais, hein, que je me sens un peu comme une bouteille de whisky de 18 ans d'âge, hein, qu'on aurait offerte à un pédophile musulman. Personne ne débouche jamais. Hein, ce qui est un peu dommage. Hein. Bref, je suis célibataire, hein, sèche comme un figolu et ravi de vous rencontrer. Et d'autant bon, plus ravi, hein, que même si physiquement, hein, du fait de ce petit ascendant téléthon, hein, que vous donne aussi bien votre maladie des eaux de verre, hein, que votre voix de snorky, c'est bien. Et bien, vous êtes du coup, hein, une sorte de mix, hein, entre la version aussi drôle que cérébrée, hein, de ce footballeur, hein, originaire du Pas-de-Calais, hein, pour lequel le français restera à tout jamais une langue étrangère. Oui. Hein, je parle bien évidemment du talentueux et néanmoins flippant Franck Ribéry. Et la version aussi jeune que non dégarnie, hein, de cet acteur et humoriste français, aussi ringard, hein, qu'elle a, c'est toujours en activité, hein, qui est le sympathique et endurant Jean-François Derrec. Et bien malgré ce coup bas, hein, que vous a fait la génétique, hein, vous faisant naître sous un ascendant Picasso, eh bien c'est quand même pas tous les jours, hein, qu'on a la chance, hein, de pouvoir rencontrer un humoriste et comédien de talent, hein, qui après avoir obtenu un bac littéraire, hein, ce qui chez les humoristes est avoué aussi rare que parfaitement inutile. Et puis après avoir incubé en amateur les MJC d'Île-de-France pendant près de 10 ans, eh bien réussi l'exploit, hein, du haut de 100m39, hein, d'être devenu en l'espace de 3 ans à peine le premier humoriste du PAF, hein, aussi tordu que tordant, hein, un humour ravageur, hein, aussi cassant que vos os finalement, hein, qui vous a permis de faire dès 2011, hein, des apparitions mémorables dans des sketchs de Wally Dia, des Lascarguet ou encore, hein, de ce bon vieux Jérémy Ferrari, hein, qui grâce à vous et à ce mélange, hein, de gêne et d'indulgence, hein, que suscitent généralement les handicapés, hein, sur le grand public, eh bien a réussi à décrocher le premier 20 sur 20, hein, de l'émission On ne demande qu'à en rire, hein. Bref, une collaboration fructueuse, hein, qui a fait des petits, comme on dit, hein, puisqu'en plus, hein, d'avoir assuré les premières parties d'Anthony Cavana, eh bien vous triomphez, hein, depuis près d'un an maintenant, avec votre one-man show intitulé « Attention à la tête », un spectacle aussi grinçant que formidable, hein, co-écrit et produit, comme on l'a dit, par Jérémy Ferrari, hein, dans lequel vous parlez sans tabou, hein, de votre maladie, de votre enfance de Cosette, ou encore, hein, du fait que, contrairement à ce que les gens s'imaginent, eh bien ça n'est pas parce qu'on est handicapé, hein, qu'on n'est pas un bel enfoiré, hein, comme ça. Hein. Exactement. En apparence, évidemment, aussi choquant, hein, que déprimant, mais auquel par le passé, hein, je suis hélas moi aussi arrivé, hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau. Et en même temps, la garde de Nicolas, un petit roumain adorable, qui, comme c'est souvent le cas, hein, chez ces gens-là, il faut bien l'avouer, était aussi chapardaire, hein, que de plus de gens, eh bien de ce fait, je peux vous dire, hein, que si je n'avais pas eu la présence d'esprit, hein, d'emménager pour l'occasion dans un sixième sans ascenseur, croyez-moi, hein, que s'il avait été capable de dévaler les escaliers autrement que la tête de la première, eh bien je peux vous dire, hein, que ce petit fourbe de Nicolas aurait volontiers crocheté la serrure, hein, des appartements de mes gentils voisins. Et en parlant de vouloir se faire forcer la serrure, justement. Dans votre spectacle, vous dites qu'en amour, hein, vous ne crachez jamais sur les moches, hein, sauf bien sûr si elles le demandent. Hein, et ça tombe très bien, hein, car je sais qu'à mon petit niveau, hein, n'ayant hélas jamais réussi à séduire aucun homme. Je vous réserve quelque chose. Il est là. Oh, vous disiez que, d'ailleurs, il n'a jamais réussi à séduire aucun homme de race humaine. Eh bien, de ce fait, hein, sachez que si du haut de vos 26 ans, hein, vous n'avez pas peur le temps d'une soirée, hein, de profiter des largesses, hein, d'une femme aussi affamée que préménopausée, eh bien, autant vous dire, hein, que mon ascendant peau d'orange et moi-même serions absolument ravi, hein, à l'idée de pouvoir prendre un petit coup de jeune, hein, si vous voyez. Sur ces petites confidences, cher Guillaume, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, 1er mai oblige, hein, j'irai tenter ma chance, hein, du côté de la place de
l'opéra, où comme chaque année, les adorateurs de la flamette tricolore iront fleurir entre deux ratonnades à la statue de cette bonne vieille Jeanne d'Arc. Donc aussi comme moi, là. L'éternelle pucelle de l'amour que t'en vous. Non, que je suis de pouvoir avoir enfin l'occasion de s'enflammer, comme on dit. Eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur, monsieur. C'est une belle déclaration. À votre bon cœur. La Morinade sur le Move avec Daniel Morin et Julia Foyce.